Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 22 avril, au lendemain de ce dimanche 21 avril, jour d'une manifestation encore superbe de la Manif pour tous, avec à la tête notre ami Frigide, et qui a besoin d'être encouragée, remerciée face à toutes ces attaques. Elle montre une énergie redoutable et nous sommes bien évidemment, grâce à elle, tous unis contre la loi Taubira. Hier encore, ce fut une grande journée de manifestation, tous les jours, ce soir encore, aux Invalides, avec les veilleurs. Nous continuons jusqu'à demain, qui va être un jour important, difficile d'ailleurs pour nous, puisque l'Assemblée nationale risque bien évidemment d'entériner cette loi dans cette dernière étape avant le Conseil constitutionnel. Oui, nous devons rester mobilisés très fort, rien n'est encore perdu. Et je lisais dans la presse, Hollande ne peut plus reculer. Eh bien, nous non plus, nous ne pouvons plus reculer. Et nous sentons qu'il y a un phénomène irréversible qui est en place. Phénomène irréversible vers quoi? Eh bien, moi je pense vers une dissolution de la Chambre. Le changement de gouvernement ne changera rien, le changement de Premier ministre ne changera rien, car nous sommes aujourd'hui face à un Parlement dont la majorité ne répond plus aujourd'hui qu'à une minorité. La majorité dans la population n'est pas favorable au texte Taubira, mais n'est pas favorable du tout à l'ensemble de la politique nationale menée. Vous êtes dans mon bureau, celui de la mairie du Chesnay, ville de plus de 30 000 habitants, où nous avons une telle diversité de population, d'activités économiques, que je puis vous dire aujourd'hui que les paramètres sont au rouge très fort. Les artisans recherchent du travail, les commerces sont loin d'être remplis, les cartes bleues ne se dépensent pas autant qu'il le faudrait pour l'économie. Les chefs d'entreprise sont inquiets pour les carnets de commandes. Tous ces paramètres économiques ne sont pas bons. Bien sûr, il y a le contexte mondial, le contexte européen, mais les incitations nationales qu'a décidé le président Hollande et que valide un gouvernement, une assemblée, témoignent d'un effet contraire même à celui espéré. Alors pour toutes ces raisons, c'est toute la population française qui est mécontente et qui sort dans la rue, et même celles et ceux qui seraient favorables à la limite au projet de texte Taubira sont en train de se mobiliser, et le mois de mai va être un mois décisif. Lorsque les opposants au texte Taubira vont rencontrer tous les opposants à la politique nationale du président Hollande, eh bien, c'est là où les choses vont se passer. C'est effectivement vers une dissolution de l'Assemblée nationale qu'il faudra se diriger, car la légitimité du peuple français n'est plus celle de la représentation actuelle. France citoyenne, qui est un collectif politique sans adhésion à aucun parti politique, politique dans le sens où il rassemble celles et ceux de toute origine, et qui partagent des valeurs communes, principalement celui de la famille, fondamentale de les bases de notre République, mais tous les autres sujets qui se raccrochent à la famille, un toit, un travail, eh bien, ce collectif a pour vocation d'apporter une réponse politique à une question aujourd'hui qui est devenue politique. Nous ne sommes en aucun cas en compétition avec la Manif pour tous, bien au contraire. Frigide a dit que la Manif pour tous pourrait présenter des listes aux municipales. Nous n'en sommes encore pas là, mais prenons l'exemple des municipales. C'est un métier, c'est compliqué, des budgets, des articles de loi. Nous les maires, c'est tous les jours que nous sommes confrontés à cela. Et donc, effectivement, avec Franck Meyer, qui est le président
de l'association des maires pour l'enfance, avec qui je travaille, avec qui nous travaillons, il fait partie du collectif de la Manif pour tous, nous allons être confrontés dans quelques jours à la décision de ce texte sur le mariage. Samedi, j'ai deux mariages dans cette mairie, eh bien, nous souhaitons pouvoir poursuivre effectivement les textes législatifs de ce mariage d'un homme et d'une femme pour la constitution d'une famille. Vous voyez donc que le combat est loin d'être terminé. Nous avons encore un grand chemin à faire. Nous n'attendrons pas 2017, certainement pas. C'est une question de semaines, de mois. Si toutes et tous nous restons mobilisés, unis, avec pour seul objectif de pouvoir redonner à notre République ces valeurs fondamentales que sont la famille et puis bien évidemment un logement et un travail. C'est avant tout cela les raisons de notre combat. Continuons et à demain pour la suite.